Normalement, je peux émettre. Je peux émettre la chaîne diffuse. Si je ne m'abuse, je peux émettre. Eh ben, bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Là, je suis content, je me suis déjà bien détendu ce matin avec Tomb Raider, mais c'est pas, c'était frustrant, hein, les ennemis. Mais vous étiez nombreux, j'avais quasiment le monopole de Twitch, j'ai envie de dire, parce que très surpris de ne pas voir de petits diffuseurs. Je suis une quarantaine de petites chaînes, personne. Là, j'ai pas compris, tout le monde s'est barré. Enfin bon. Voilà. C'est tout ce que j'ai déclaré. Allez, on continue. J'étais là. Situation. Interception. Intervalle 06. Personnel non autorisé. Situation. L'ingénieur Norton Mapes Damark Sham a encore refusé l'aide proposée par l'éclaireur du FIR pour l'évacuer. La position du signal de Paxton Fettel est toujours la même. Mission. Vous devez absolument atteindre Fettel avant qu'il ne change d'endroit. Ah, j'avais oublié le 1. Ah, super. Encore vous. Vous voyez ce bouton? Je me demande ce qu'il commande. La mort! Ouais, évidemment, il s'est barré le truc. Il a pété l'ascenseur. Emergency! Emergency! Da di da da di da da. Attends, faut que je revienne sur mes pas. Pour ça. C'est caché. C'est caché. Didadidoudé. Eh oui, c'est tout cassé. Je trouve bizarre que je doive revenir en arrière. Ah, c'est la tourelle de mes deux, en fait, qui s'est actionnée. Eh oui, il n'y en avait pas avant. Ah, je suis donc de l'autre côté. Ah merde. Oh, excellent. Au moment où je tourne, et plus de lumière. Il s'est barré en courant, là. Il s'est barré en courant! Bizarre la physique aujourd'hui. Non, non, j'ai pas vu cet écran CRT, non. Je ne recommencerai pas. Vidéo, Ah! Les mesures de défense automatiques sont activées dans cette zone. Tout intrus sera abattu à vue. Ouais. Voilà, il va falloir que je fasse mon approche différemment. Aïe aïe aïe. Oui, bonjour, je vois qu'il y a un certain Polos Spex. Poutchek, oui, visiblement. Oui, pardon, pas faire usage de majuscules, s'il vous plaît. Comme c'est vécu comme étant agressif, mais le bannissement n'est que temporaire. Mais en tout cas, bienvenue, merci de venir se manifester. Wouh! Ah, j'avais pas vu, c'est des grenades en plus. Donc là, ça me servira pas. Comment je pourrais... Non, le fusil à pompe, c'est bon, hein, contre les...
Les mesures de défense automatique sont activées dans cette zone. Rebonjour Nayone. Sera abattu à vue. Recoucou Nayone. Ah, je crois que je peux aller là. Ah, je vais pouvoir. Oula. Ah bah. Merde alors. Oula. Oula. Oui, je veux bien un peu de. J'ai l'air d'oxygène, de pharmacie là. Remarque, la caméra elle était où? J'avais pas vu une caméra? Bizarre. Ah, il y a un ordi à interroger. En voici plus sur Origin. Le projet a été interrompu à cause de problèmes de synchronisme. On n'en sait pas plus, mais j'imagine qu'il y a eu des pertes. Bonjour Nashevman, bonjour Twinsen. Oui, j'espère que vous allez bien. Ah là 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 là. Heureux cousin. Wow. Merci à vous d'être là. Je me plante de touche. Oui, c'est ça, la torche. Alors attends, il y a par là. Oh, à mon avis, la suite est par là parce qu'il y a pas mal de. Alors attends. Oh, merde, je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Oula. J'ai pas accès à un truc intéressant. Oui, celle-là, elle est morte. Je suis arrivé par là. Oh, est-ce que je la déboîte? Ouais, c'est gérable. Honnêtement, elles sont gérables. Mais non, je suis arrivé par là. C'est là où j'ai pris une trousse de soins, non? Là, je tourne en rond, là. Enfin, je crois. Je finis par avoir le doute. Oui, je tourne en rond. On est d'accord. Alors, il y a un escalier. Ça va pas loin, c'est de la tuyauterie. Oui, c'est. Ah. Pardon, j'éteins la lampe, je sauvegarde. Le temps qu'elle se recharge, je vais rallumer. De collision quand même. Ah, elle me bouffe pas mal de vie, hein, la vilaine bête. Elle me bouffe pas mal de vie. J'ai retourné la souris. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, il y en a des choses. Ouais, donc je reviens par là. Ouais.
Ok. Non, je pense que là, j'ai rien loupé, là. C'est... Alors, il y avait une trappe murale, il y a ça. Oh, il y a un truc qui a bougé, mais j'ai pas vu. Ah, c'est l'autre trouduc. Qui se fait la malle. Et j'aurais pu passer par là, en fait, non? C'est ça. Juste pour le plaisir de la destruction. Ouais, ça va bien, Machine Man, c'est cool. Hop, 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 Oui, je l'ai eu. Ah, la joie de dégommer une horloge. Ah, les horloges murales, je m'en lasse pas. Oh. Encore? Ouf, elle est pas cool. Attends, je veux être sûr de rien oublier parce que il y a pas mal de trucs à inspecter. Donc la cochonnerie, elle est là-bas, non? Merde, je vois plus. Attends, elle est où la bestiole? Bah, elle est là. Mais non, je l'ai pété celle-là. Non, je reviens en arrière, là, je fais des bêtises. Oui, tant qu'il passe, bah oui. Eh oui. Ah, je... Mais attends, je peux péter les caisses, non? Non? Ah non. Ah, c'est un peu dommage. Pour un jeu de cette qualité, c'est un peu dommage qu'ils aient pas programmé ça. Petit bémol. Attends, c'est pas par là, tac tac tac. Non, mais il faut que je me coltine le couloir là avec le truc de mort. Merde. Ah, chiotte. Ah, je vais me faire allumer. Alors. Je pourrais peut-être astucieusement utiliser le mobilier, mais bon. Oula. Ah, il y a des balles qui se perdent. Truc à disjoncter. Oh, il a réussi à passer. Ouais, mais est-ce que j'ai pas loupé un truc, moi? Non, visiblement, j'ai rien loupé. Non, mais le truc, il va me buter. À un moment, il y a une... on voyait une trappe de ventilation. Attends, comment je pouvais l'atteindre? Bizarre.
Ouais, ça doit être ça. Merde, il est pas assez. Ah, faudrait que je pousse un chariot pour pouvoir y aller. Merdoum. Encore ? Ah, il y a un message. Oh, puis je suis plus en sandwich. Ah, c'est par là. Vous avez un nouveau message. Premier message de... Bill Moody. Ici Bill Moody. Désolé de ne pas avoir rappelé plus tôt, mais nous avons pris un peu de retard. Je suis toujours à l'usine de traitement des eaux de South River. Quoi qu'il en soit, j'ai des résultats préliminaires à te communiquer. Tous les composés que tu m'as demandé de chercher sont bien présents. Mais les concentrations sont nettement plus élevées que prévu. J'espère avoir un rapport complet à déposer sur ton bureau lundi matin. À bientôt. Des messages. Ouais, donc c'est pas rassurant. L'eau de la ville a été contaminée. Ah. L'embarras du choix. J'aime bien l'ambiance. C'est bien. Hein. Oh vache. Encore ? Oh là là. Oh, il y en a une là-bas. Et elle m'a vu. Non, pas ça. C'est vrai que j'ai pas encore fait l'effet Matrix. Ouais, mais je suis trop loin. Ah bah je suis revenu là où j'étais. Ah oui, du coup c'est débile. Pas grave. C'est pas grave. Donc là, on va aller dans des endroits moins fréquentés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la petite fille, je trouve. Alors, il se passe un truc. Bof. Heureux, Christella. Bizarre. Ah, point de sauvegarde. C'est Bowser. Oh, c'est mes copains. Oh, la tête. Il a perdu la tête. Tiens, tiens. Oh, cool. Ah oui, ça fait plaisir, ça.
Réflexe amélioré définitivement. Oh, il est bête, lui. Oh merde, j'ai loupé. Bah. Ça fait double sauvegarde. Merde, je fais des bêtises avec mes trousses de soins, moi. J'en ai trop pris. Hop là. Oh merde, oum. Alors là, j'avoue, je l'ai mal joué. Je l'ai mal joué. Ah non, mais l'ingénieur, il nous les brise. Hein. Ah, il est où l'autre? Redoutable. Ah, j'avais pas vu. Oh, oh, la magnifiquement giclée. Joie. Ah, j'ai activé quelque chose. Quoi? Oh merde. Waouh, la surprise était totale. Oups. J'ai un souci blindé sur patte. Oh, puis il va vite. Ouch, ouh, il fait mal. Oh, lui, il lui faut des mines de... Des mines de proximité. Il va me poser problème. J'allais dire, le renfort, il est pas là. Bah alors. Attends, j'étais venu là, moi. Oh, je sais plus. Je ne sais plus, je suis Peldo. Ah, ils m'ont tiré dessous. Je suis pas assez proche. Vas-y, approche. Pas mal. Ah merde, il était là. Joli. Oh, c'est superbe. C'est très Matrix. J'aime bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est violent, mais c'est beau. Techniquement parlant, ils l'ont bien réussi. Alors, il était où le robot? Parce que je pose la mine là où il faut. Oui, j'ai des cadeaux supplémentaires en plus ici, faut pas l'oublier. Où est-ce qu'il était le robot? Mince, je suis trompé. Ah, oh, je suis en train de faire des bêtises. Le robot, où est-ce qu'il était? Quoi? Qui c'est que cette arme? Voilà, il y a de ces trucs. Oh, je suis pas allé ici, moi. Attends, mais il y a trop de trucs. Waouh, je suis en train de me perdre dans la zone. Ah, c'est par ici qu'il arrive, le robot. C'est par ici. Alors, le robot, comment dire?
comment je fais pour déposer un truc de mine de proximité. Comme ça, je crois. Ouais, c'est pas mal. Hop là. Très bien. Rien que ça, à mon avis, je pense qu'il va déguster. Je suis confiant. On va rigoler. Il y a du monde plastane. Oui, oui, c'est bien. D'ailleurs, ceux qui veulent voir un direct de la plastane, j'ai mis la webcam dans le... Enfin, dans le chat. Vous faites point d'exclamation webcam. Je crois que j'ai fait ça, ou point d'exclamation Nancy, un truc comme ça. Pour ceux qui veulent avoir le lien de la meilleure... Ah, sinon ils offraient le lance-roquette. Bon, je l'ai eu. Non? Voilà, je me disais bien qu'il n'avait pas résisté au plus que ça. Pas déconner non plus. Je peux prendre l'ascenseur. C'est plutôt un heureux constat. Alors... Avant d'aller à l'étage, je pense que je peux fouiller davantage la zone. Faut vraiment avoir les yeux partout. Ok, ok. Remarquable. Ah, sauf que l'interrupteur... Ah, il est là. Je me disais, avoir un petit comité d'accueil en haut de l'ascenseur, c'était 50-50. Et puis non, tranquille. On dira que les concepteurs de la carte ont été courtois. Oula... Et ces trucs. Mm-hmm. Ah, échelle. Oh non. Non. Alors dos droit, oui, je pense que je suis à peu près bien. Ouais. Oui, je suppose qu'il y a une manif en cours à Nancy, mais... Ça va être une horreur. Voilà. Non. C'est atroce. Oh, pourquoi j'ai eu cette idée? Je peux même pas allumer la torche. Ah si. Oh là là. Ça va être une catastrophe.
Bien vu, Nash, bien vu. Oh oh. On m'a mal tourné pour lui. Je peux peut-être m'accroupir, non? Non, je l'étais déjà. Allez, go. Attention, substance toxique détectée. Oh. Verrouillage de sécurité déclenché. Oh, non, lumière. Quel cauchemar, mais quel cauchemar! Ah oui, c'est ça, je contrôle absolument plus rien. Et en même temps, je suis un peu nigo, j'allais dans la pièce où il y avait le truc qui était contagieux là. Non, mais non. Mais monte! Mais non! Mais je sais plus ce que je fais! Mais monte, abruti! Ah! Merci! Oh. Comme ça. Non, comme ça. Non, pas ça. Non. Non, j'ai mis une minute de proxy. Elle me reconnaît ou apparemment elle me reconnaît. Il y a une signature qui fait que je peux la reprendre. Ouf, ça va. J'ai eu peur. Ah. Oh, j'ai eu les jetons. J'ai cru qu'elle allait me péter à la tronche. Elle a pas de patoune, Christella. Oh. Fusil à particules. La molette de la souris avec ça, c'est une horreur. La patoune est tellement grosse que je déplace la souris avec. Je sais pas ce que ça vaut. Je prends le risque, tant pis. Je prends le risque. Ah. Lumière. Lampe torche. Alors attendez. Oh, c'est impossible. Mais hey, reste pas accroupi. Debout. Mais debout. Mais non, pas ça. Merde. Oh. Encore une échelle. Allez, rééclairage. Si j'y arrive. Éclairage. Oups. Y a rien à l'angle? Non, y a rien. Ah. Là derrière, il y a un cadeau ou il y a. Non, il n'y a que Puig. Il n'y a pas de cadeau. Le jeu ne fait pas de cadeau. Bah, tombe, Nunuche. Ouch. Ouh, ça. Ouh, le truc fait peur. Attends, je vais peut-être sauvegarder parce que je me démerde pas trop mal avec les patounes. Oui, c'est bien. Ah, c'est bizarre. Je sais pas ce que j'ai déclenché. Urgence annulée. Ah bah ça va. On voit rien. Ah, il y a un ordi interrogé. Si j'arrive à avancer. Alors je me demande si j'ai pas court-circuité une com, je sais pas. Ah non, non, j'ai envoyé les données. C'est lui qui me l'a lu. Oui, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est normal. Je peux revenir debout, merci.
Oh, j'en avais marre d'être accroupi, ça avançait pas. C'est beau. Il y a le ciel. J'ai peur de louper des trucs, mais comme la lampe torche est à dynamo, là. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Oh, sabotage. Ça a été saboté. Oh, j'arrive même pas à marcher droit. Pardon. Faut juste enclencher la porte, pas la défoncer. Le mec, il est vénère. C'est bon, ça. Attends, mais qu'est-ce que je vais déclencher, moi? Quoi? Non, c'est des gaz? Je vais gazer les gars? Déconne pas. C'est horrible. Oh, c'est rigolo! Oh, c'est rigolo! Alors, qui est le plus proche de la sortie? Qui puisse pas s'échapper? Relâche! Relâche! Bien! Ah, je l'ai pas retiré, j'étais encore en surchauffe. Mais bien! Excellent. Merde, je voulais pas changer d'arme. Mais non, je voulais pas tirer! Ah! Attendez. Ah! Salopard! Oula, je marche de traviole. Au secours! Ah, il faut choper par la vitre. D'accord. Ouf. Pas évident. Dispersez-vous. Mais non, mais non. Ah, il est mouru. Oh, le guet-apens. Oh, s'il me lance une grenade, je suis mort. Oh, salopard. Lui, il est revenu de loin. Ouh. C'est dur à la patoune. Oh là là. On va dire, faut que je tienne jusqu'à 45 comme ça. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Non, c'est 10 minutes le gage des patounes. Patounes. Ouf! Violence! Même le pupitre, il y passe. J'ai toujours pas essayé l'arme à neutrons, là. Comment ça marche? Ils vont venir. Forcément, ils vont venir. Je te vois, Nash. Oh, la violence! Un pénétrator. Oh les noms. Allez, on va essayer un peu tout. Pénétrator, ça vaut quoi? Ah, je le connais celui-là. Ouais, bof. Non, je veux mon joujou à rayon. J'aime bien le joujou à rayon. Da-li-ta-ti-da-da. Bah non. Oh, merci. Oh, pas accroupi. Lève-toi.
Hop, merde, j'ai loupé. Oh! Mais c'est injouable avec les patounes! Merde. Mais non, mais... Ah! J'ai du bol parce que je prends pas si cher que ça. Oh là là. Ouais, non, ils m'ont eu. Encore une minute. Je suis honnête, encore une minute de patoune. Je suis trop honnête, c'est un cauchemar. Oh, trousse de soins. Je sais plus si je l'avais prise, la trousse de soins, là. À mon passage précédent. Allez. Je pense que j'ai fait, comme on dit sinistrement, un joli carton. L'autre, il va arriver. Enfin, il y a au moins un loustique qui va... Merde, j'ai déjà tiré. Coucou, je suis là. Normalement, il se pointe. Ou pas. Non, bah j'ai dû liquider à la truc mûche, là. Bon. Les 10 minutes sont passées. Ah. Attendez, j'essaye de réussir le passage là proprement. Alors, concentration. Oh la vache! Comment je leur ai soustrait leur... Il n'y a plus que les os, ça fait peur. C'est très efficace. Très très efficace. Oh les malheureux toi. Merde, je me trompe de touche. C'est pas grave, au moins j'ai fait un petit plein de... Un petit plein de vie. Alors, fouillons les locaux. Mais il y a plein de trucs à fouiller en fait. Attendez, là faut que je sauvegarde parce que... Il y a trop de pièces, il y a trop... Je sais pas si c'est les toilettes là. Non. Oh. Cette déception. Donc je suis arrivé par là. Je loupe rien. Vous êtes sûr? Ouais, non, il n'y a rien dans le... Bizarre. C'est qui a dit ça? Ah oui! Il est arrivé... Ah, il était planqué dans l'angle. Ok. Oh, la posture du mec!
Oh là là. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau. Je vais peut-être changer de flingue là parce que j'ai utilisé pas mal de munitions. Alors. Hop, 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 il y a du peuple. En même temps, c'est l'occasion rêvée pour le flingue. Merde, j'ai mal tiré. Ouais, non. Ouais, je me pars là. Oh, c'est gentil, le don d'armes est apprécié. Merci. La 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 la. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'armes, c'est en France, j'ai lu ça dans la presse cette semaine. Il y a, je sais plus dans quel département, je ne sais pas, les Deux-Sèvres. Ils vont ouvrir des locaux publics pour le dépôt d'armes non enregistrées, ceux qui sont dans l'illégalité. Et ils pourront déposer les armes, on peut le dire. Sans être sanctionné, sans amende, sans répréhension. On se croirait aux États-Unis. C'est effarant, mais... Je savais même pas que ça se faisait en France, ce genre d'initiative. Et tous ceux qui ont des armes non déclarées pourront les déposer pour destruction, sans être poursuivis par l'État. Étrange. Ah, c'est le cas dans ton secteur? D'accord. Ouais, j'avais pas lu ton département, cousin. Mais bon. Papa la papa papa pipa la. Lumière. Oh, une horloge murale à dégommer comme je les aime. Quoi? Ah. Mmh. Et petite trousse de soin que je peux consommer tout de suite d'ailleurs. Merde! Oh, heureusement que j'ai le contrôle sur ces machins. Trompé de touche. J'aime bien faire jojo avec les. Bon, là je l'aurais pu. Les horloges murales. C'est pas par là. Il y a un article la semaine dernière. Bah, j'ai lu visiblement un similaire, je peux pas dire identique, puisque j'avais lu un autre département, je crois que c'était les Deux-Sèvres. Je suis pas sûr à 100%, mais... Hic. Je ne comprends plus où est le bon chemin. Il y a un truc que j'ai mal observé. C'est pas possible. Il y a un truc. J'ai loupé un bouton ou un. Non, là, c'est complètement sanglanté. Là, c'est incassable. De toute façon, je vais dans le truc. Ah, faut que je descende là. C'est pas la première fois qu'ils font ce genre de transition de niveau en faisant enjamber un truc. Alors, intervalle 06, interception, révélation. Situation. Le signal de Paxton Fetale a encore disparu. L'officier technique d'Amarkam pense que le transmetteur a dû être endommagé pendant le combat. Il est maintenant clair que l'ingénieur d'Armacam, Norton Mage, œuvre activement pour saboter la mission du FIR. Mission. La mission principale consiste à localiser Fetal. L'objectif secondaire est de placer Norton Mep en détention pour pouvoir l'interroger. Ah, le sadigo, je tiens à lui mettre le grappin dessus. S'il y a un truc, c'est Majax. Eh ouais. Les grains et l'incroyable Majax. Encore. Ah, c'est comique. C'est drôle. Ah ah. Le truc a été mal monté.
Oui, bah là c'est fermé. C'est bien. J'aime bien le couloir, il est bien pensé dans le sens que c'est pour handicapés. C'est bien. Enfin, le fait que ce soit... Ouh, ça m'intéresse ça. Le fait que ce soit modélisé, ça permet de prendre conscience de la... Ce n'était pas ma faute. De l'importance du... Quoi? Encore vous? Bah, toujours ils moi. Ils ont voulu enterrer leur péché. Mais ils ont planté les graines fatales de leur destin. Une guerre approche. Je l'ai vu dans mes rêves. La terre ravagée par les flammes. Des corps dans les rues. Des villes réduites en cendres. Des représailles. Eh ben. Je voyage un peu trop dans les locaux sans trouver ce qui m'intéresse. Attends, je reviendrai là après. Il faut que j'essaye de me faire une présentation 3D mentale des lieux. Merdoum. Où était le truc qui m'intéressait? Merde, je reviens au même endroit. Ah, merci. Merci pour ce cadeau. Et du coup, faut que j'aille où? Là? Mais non, je viens de là. Ah non, je viens pas de là. Je vais retourner dans les locaux. J'ai dû louper plein de trucs dans les locaux. Moi, je suis content, j'ai mon truc qui me plaisait, mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Non, bon, bah, visiblement. Vous avez un nouveau message. Premier message de Geneviève Aristide. Yann, pourrais-tu m'envoyer les copies des travaux que ton équipe a réalisés sur les anomalies d'origine? Arlan est censé me faire un rapport quotidien, mais il semble déjà bien occupé à régler ses comptes. J'espère qu'il n'embête pas trop de monde avec ses histoires. J'assume l'entière responsabilité de ce qui est arrivé à l'équipe, mais ça ne les fera pas revenir. Quoi qu'il en soit... Ce n'est pas le moment de chercher à qui faire porter le chapeau. Nous devons travailler ensemble, comme une équipe, pour sortir de cette crise. Merci de ton soutien. Fin des messages. Point de vue augmenté. Cool. Cool, cool, cool. C'est apprécié. Je viens de là. Je suis revenu au début. Attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Eh ben, on repart dans l'autre sens. Ah bah merde, alors. Donc, là, c'est bon. Tac, tac, tac. Oui, non, ça sert à rien. D'accord, là il n'y a pas de porte, on est d'accord. Donc je vais hop sorti. Oui non, je suis obligé d'aller là en fait. Je suis bien obligé d'aller là. Un petit local d'accueil à l'angle de l'immeuble.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que ma sauvegarde rapide va pas être pertinente. Et que, passé ce couloir, je vais avoir une sauvegarde automatique. Vu le dessin du niveau. Je ne savais pas. Non ! Je n'avais pas compris. Les morts restent morts. Tu m'étonnes. Ah, il y a quelque chose qui est apparu. C'est bien. Leur suggestion de frousse machin est bien faite. C'est très très bien. Il y a un beau travail artistique. Voilà la salle de... On a loupé la fête. Et fait tourner les serviettes. Rangez vos mitraillettes. Oui. J'aurais pas dit mieux. J'ai adoré le gémissement. Ah. Oh. Attention! Il est pas là. Violence! Ah bah y a plus personne. Écoutez, il y a quelques semaines, ATC a rouvert les installations d'origine. Ils voulaient tout nettoyer et relancer le programme. Mais ils ont perdu tout contact avec les gens qu'ils ont envoyés. Et ils ont donc à nouveau verrouillé la zone. Ça tire à tout va là. C'est pas pour moi. Oh, j'ai osé l'oublier. Là, je l'ai rangé sur le meuble. Où il se passe des trucs. Bon, bah voilà, il y a un camp à gagner contre l'autre. Ah. Allez, salopards. Oh merde, non, pas eux. Je t'aime pas. Je l'ai vachement bien géré. Mais je les aime pas, les gugus blindés. Ils sont bien pensés. Et là, la cage d'ascenseur se décroche. Merde. Film d'horreur. Ah bah tiens, c'est là qu'il a le finalement le point de sauvegarde auto. Dommage, j'aurais dû me soigner juste avant. C'est pas grave, j'allais le faire, mais... Voilà. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. Mais j'ai perdu mon objectif secondaire, là, le... L'ingénieur, là, bien gras... Ouais, merde, il m'a vu. Oh, salopard. Ah, merde, je pensais que j'allais ralentir le temps, mais non. Salopard ! Ils m'ont eu !
L'objectif secondaire. Mais j'espère que je l'ai pas loupé, le mec. Attends, je reviens en arrière, mais. Non, mais j'ai pas loupé de salle, je fouille trop bien. Il peut pas m'échapper, l'autre loustique de mes deux, là. Il peut pas m'échapper. Ah, merde, je serai vert. Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. Alors que j'ai un super rayon de soleil qui va... Peut-être que vous me voyez déjà plus avec le rayon de soleil. Si je suis vert, si j'arrive pas à mettre le grappin sur le l'ingénieur. Oh, c'est quelle horreur. Ah. Oh, il y a du peuple. Ouh, il y a du peuple. Ah, j'ai un répondeur à écouter et il y a du monde. Si je lance une mine de proximité en l'air, il se passe quoi? Vous avez un nouveau message. Premier message de un numéro extérieur. Salut, c'est moi. Rappelle-moi, ok? Je vais essayer sur ton portable. Fin des messages. Mais quel nigo! Oh. Attends. Attends, je viendrai la récupérer. Je peux la récupérer, donc tant mieux. Non, j'avais... Ok. Flingue classique. Oui, faisons le point sur mes flingues. Ah, ce joujou-là, il est bien, mais... Les munitions sont rarissimes. Les munitions sont rarissimes. Je fais mumuse avec ça et je reviens chercher le flingue classique. Je l'ai eu. C'est qu'il a failli m'avoir, le stick. Oh, hey, on dirait le couloir dans Matrix. Alors attendez, le flingue, il était où? D'ailleurs, ça ne m'empêche pas en attendant. Ils sont malins. Ils sont malins. Par contre, je sais plus comment je fais pour changer de munitions de la touche. Pour les mines. Ouais, faut que je retienne que la souris, je peux faire la santé, ce qui est pas mal. Mais... Comment je fais pour changer mes... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je recherche mes touches, hein, pardon. Là, c'est la santé.
Je sais plus ce que j'ai mis. Ou ça? Non. Dommage. Le flingue, le bon flingue. Le bon petit flingue, oui. Rien ne vaut un bon petit flingue classique. Je préfère tomber le tableau presque. Ils sont très malins. J'adore l'intelligence artificielle, elle est très bien conçue. Ils s'arrêtent au niveau des mines. Merde, salopard. Va falloir changer de technique. Comment je l'allume? Je suis pas assez proche pour le fusil à pompe. Merde, il est plus là. Pas mal. Mais ça suffira pas. Putain, mais le gars, je l'ai décapité, je crois, non? J'ai cru. Pendant un instant, j'ai cru. Il y a une des deux mines de proximité qui a explosé? Déconnez pas. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Sniper? Non. Oh vache. Oh oh oh. Chez la guerre. Ah oui, il y a du monde. J'ai plus de balles. Oh merde! Ouch. Je te le fais pas dire. J'avais oublié la présence humaine. Je me suis complètement focalisé sur le robot. Erreur stratégique majeure. Ah merde, j'étais là. Oh la vache. C'est tellement bien que j'ai plus pensé à sauvegarder du tout. Bah on va se refaire de belles scènes de... Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. On va se faire des belles scènes de baston, à nouveau. Boum. Non? Ah, oh, c'est beau quand même. Zordé de la...
Là, j'ai prêché par excès de confiance et le jeu a bugué. Cet écran-là, c'est l'écran du bug. Je vais relancer le jeu, attendez. Ah oui, c'est vrai. C'est encore plus chiant. Le Alt F4 fonctionne pas. Il faut que je fasse le gestionnaire des tâches. Ah, excusez-moi. Deux minutes, je vous prie. Bidi, 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 bidi. Quand il plante le jeu, il plante bien. C'est... Oups. C'est le plantage de la violence. Alors, attendez. Oui, je peux remettre ça. Oui, oh. Oui, bref. Fire, que je le relance. Il faut que je boive un coup, moi. Je vais... Bouteille d'eau. Je l'ai prévu tout à l'heure, entre midi et deux. J'arrive pas à ouvrir ma bouteille. Oh là, si, c'est bon. Le son de la bouteille. Ouais, on a compris. La montagne, ça vous gagne. Point de passage, c'est celui-là. Pam 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 pam. Concentration. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Oh. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. Alors. Tu m'étonnes que t'as un contact. On entend même le bruit de la douille. Oh, le strike. Oh, oh, ce strike. Magnifique. Ah oui, c'est vrai que j'ai le flingue là, j'avais oublié. Oh là là. Oh, 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 quelle horreur. Ah merde, il m'a eu. Ah, puis j'ai pas sauvegardé. Oh non, non, non. J'en ai un peu marre de faire 10 000 fois la même scène. Il va falloir que je sauvegarde. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en tête. Tu m'étonnes. Je voulais lancer ma mine, c'était rigolo. Non, il faut que j'arrête de vraiment prêcher par excès de confiance, merde, c'est pas bon. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en fait. Là, en cadeau. Oh, le salopard, il m'a eu. Excellent, excellent, j'adore. Ah. Merde, j'ai l'impression que Fettel en a appris cette Alice Wade dont Bishop a parlé. On dirait qu'il se dirige vers le bâtiment de la direction. Il faut la rejoindre avant lui. Elle pourra nous aider à comprendre ce que Fettel a en fait.
Eh ben, j'ai eu chaud. Alors. Non. Non plus. J'en avais deux. Oh, c'est bien. Voilà. J'en avais deux. Attends, je récupère mes mines de proximité, là, mes joujoux. Je sauvegarde. On progresse. D'ailleurs, j'ai pas loupé un bureau. Ah, j'avais dit que je changeais de... Ouais, mais j'ai pas encore utilisé le... C'est vrai. Changer l'arme. Voilà. Là, je dis oui. Et là, j'avance. Mmh. Je l'ai bien secoué. J'ai gagné. Pam 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 palalalam. La question c'est où est ma cible? Ah oui, alors j'en arrive seulement au robot. Ah oui, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, les saligots. Si je l'ai eu. Oh non. Non, l'autre, la posture du gars qui est... Ah, il est pas mort, il était assommé. Intéressant. Oh la guerre. Oh, c'est injouable. Oh, il faut que je pense ce passage qui est nouveau différemment. Dur. Ouh, vache. Strike! Oh la vache, c'est sale bête. Oh. Wouh, dur. Dur, dur, dur. Pas mal tenté, mais non.
Oh la vache, comment qu'il m'a arrosé. Oh la violence. Mais y a rien de rien là. Oh non, y a rien. Et hop là, bien. Je pense que je l'ai bien géré. Effectivement. C'est un sacré contact. Merde. Ah. Faut que je réfléchisse à une autre manière de gérer l'assaut. Non. Est-ce que je me mets en retrait? Oh bah non, le truc qui a encore sauté. Oh là 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 là. Il est où mon gestionnaire de tâches? Il est là. Ah ouais, mais je peux pas. Oh, je peux pas casser le focus de la. Oh, détail, fire, on commence. C'est le seul défaut de ce jeu en fait. C'est sa gestion du. Du prout-prout. Sa gestion du prout-prout. Toi aussi, prends tes cours d'informatique. La gestion du prout-prout. Ah. Mais on lui pardonne parce que l'intelligence artificielle est vachement bien. Absolument remarquable. On va avoir encore la promotion de la montagne, ça vous gagne. Alors, on en était à Revelation. Oh, 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 oh. Ça devient dur, hein. Franchement. Ça devient balèze. Oui. non, je suis mort. Au niveau des solutions de repli, c'est pas cool. Alors lui, il faut que je déstabilise. Ça craint du boudin, mon histoire. Ah, pas mal. J'attends que ma barre de pouvoir se recharge. Wow, on va esquiver. Ah, j'ai pas réussi à esquiver la roquette. Parce qu'il en tire pas mal, le salopio. Oh, l'escalier est trop loin. Je sais même plus où est l'escalier, donc... Bah... Attends, l'escalier a pas disparu? J'ai pas compris la morphologie des lieux, là. Bon, qu'à le dire, on va aller de l'avant. Là, il y a un truc. Ah! Ah! Intéressant, l'endroit. J'ai repéré un coin très intéressant.
vraiment qu'il m'a encastré. Il m'a encastré dans... Je sais même pas si vous me voyez avec le soleil. Comment qu'il m'a encastré dans la baie vitrée, c'est génial. Oh, j'ai rien pour parer le soleil. Là, je suis pas sûr que vous me voyez bien. Attendez, j'ai un torchon qui traîne. Je sais pas si... Comme ça. Peut-être que comme ça, ça va tenir. Bon, je pense que vous voyez plus le torchon que ma tronche. Voilà. Hein. Pas convaincu de l'efficacité du truc. Bref. De toute façon, ça va pas durer le temps que le soleil... Voilà, comment qu'il est programmé pour me patater au corps à corps, lui? Ah oui, il fait trop mal. Il fait trop mal. Oh, le hôte, comment qu'il m'a fait déguster la roquette. Oh là 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 là. Ah, il peut pas passer. Ça m'intéresse comme situation. Là, je me sens mieux. Merde, j'ai pas réussi à prendre la porte. Excusez-moi du peu. Non, je le touche pas, là. Comment je fais pour changer mes... C'était pas ça, la touche des... Oui, c'était ça où j'avais dit que changer les grenades. Rien que ça, c'est vachement tentant d'avoir la grenade classique. Mais là, je suis trop proche. Wouh! Voilà. Petit malin! Magnifique. La physique du jeu, elle est extra. Il n'y a rien à redire. On s'y croirait. Salopard. Il a l'arme ultra, le gars. Que je vais faire de la vapeur. Tu me vois plus. Ah si. Oh, le joli lancer. Merde, j'ai loupé. Ah, ah. Oh là là. La récompense est au bout, c'est pas possible. Il y a trop de résistance. Il y a trop de résistance, il y a un truc, c'est... Alors ça, j'ai dû balancer au début du jeu un truc. Et j'ai gardé le truc, enfin le déclencheur, qui doit être à des kilomètres de là au premier niveau. Ce qui fait que le truc me sert plus à rien. C'est très con. Mince, c'est pas ça que je voulais. Voilà, je voulais les grenades. Bon, re-sauvegarde, au moins je suis paré. Et mon pouvoir est rechargé. Alors. Sortez de là. Je l'ai eu. Ah. Bah alors, il va éclater l'autre. Bah, il explose jamais. Ça y est, il est mort le machin. Même pas. On voit plus rien! J'ai plus d'explosifs! Il est pas mort, j'hallucine. Le char d'assaut sur pattes.
Ah, ça y est, il y a moins de soleil. Je vais retirer le schmilblick. Attends, je vais boire un coup d'ailleurs. Oh là là, ce passage! Par contre, la moquette est d'un kitsch. Motif de moquette. Fallait bien une texture. Nous dira-t-on. C'est quoi ça? Un coup? Attends, c'était quoi l'arme? J'ai pas compris. Ah, c'est le truc rigolo! Moi d'abord. Je sais pas si c'est efficace contre le robot, le truc. Le robot. Ah, j'ai droit à des grenades. Ça, c'est cool. Mais comment qu'il me sauce, le salopard? J'ai balancé une grenade à ce moment-là. À tel point de faire bugger le jeu à nouveau. On y retourne. Oh là 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 là. Mais n'importe quoi, moi. Qui c'est que ce réflexe de maboule que j'ai eu? Aïe 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 aïe. Allez, énième service. À 16h, je passerai à un autre jeu. Hein, parce que c'est bien, j'aurais eu mes 2 heures de le carnage, là. Je retournerai peut-être sur Sonic, tiens, après. Peut-être, on verra. Allez, Seria, la montagne, ça vous gagne. On attend le clip. Voilà. Enfin, la séquence, devrais-je dire. Et oui, c'est celui du haut qui est le bon. Qui est le bon, qui est le bon. Les ennemis réagiront au faisceau de votre torche. Ne l'utilisez que lorsque c'est nécessaire. C'est effectivement ce que je vais pas tarder à faire. Mais une fois qu'il n'y aura plus personne. Ah, on s'est loupé tous les deux. Mais j'ai gagné le match de tour. Oh, le robot a pas aimé, j'ai l'impression. Oh là. Moi aussi, j'ai des grenades. Hop là. Et hop là. Merde, il n'est pas du bon côté. Ah! J'ai perdu mes 2 grenades.
Ah! Saleté de cochonnerie de saleté, je l'ai eu. Et c'était quoi l'escalier? J'ai pas compris. Ah, j'étais obligé de faire un saut en fait, je pouvais pas remonter. Je m'étais convaincu que je pouvais remonter, mais non. J'ai rêvé en fait. J'aurais pu me faire avoir en beauté. Faut aérer un peu les locaux, les gars. Ah, je vais avoir ma petite horloge murale. Oh, le bonheur. Oh, on dirait le jeu du palais. Oh, oh. Les bugs de collision bizarroïdes. Le jeu du palais. Le jeu du palais. Oh, j'ai touché le siège. Téléphone. Quand le téléphone sonne, elle répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du piquet, que c'est une victime de la mode. Tel est son nom de code. Tididididi. Vous aurez reconnu Claude M6 Solar. Avec qui d'ailleurs je remercie parce que grâce à lui j'avais eu mon bac de français. Sans déconner. J'avais été interrogé sur le rouge et le noir de Stendhal. Et en fait, j'étais dans la dualité père-fils dans le roman. Le fils qui devenait, enfin, qui était plutôt un intellectuel contre le père qui était l'agriculteur, on va dire les muscles et rien d'autre. Et j'avais repensé à une chanson qui est peu connue du premier album de MC Solar, qui était « Et c'est matière grasse contre matière grise ». Et je n'oublierai jamais le sourire esquissé par mon interlocuteur, enfin mon examinateur au moment du bac de français. Je savais que j'avais marqué des points. D'ailleurs, je crois que j'avais eu 14 ou 15... Non, j'avais eu 15 sur 20 à l'oral de français au bac, à mon époque. Souvenir, souvenir. Allez, la suite. Encore un petit quart d'heure de folie. Malin. Mais non. Mais non, mais je suis plus visé, moi. Ah oui, là, mais là, je me rends. Trois tirs, je merde complètement ma cible. Oh, c'est la honte. C'est la honte. Là, je pense qu'ils ont rien compris. Je balance une grenade, ça peut être très drôle. Si je vise bien. J'ai merdé. Bah. Ils m'ont rendu l'appareil. Bien joué. Bien, bien joué. D'ailleurs, quand j'arrêterai dans un quart d'heure, je changerai ma lumière parce que là, ça va être l'inverse, on ne me verra plus. Le clavier. C'est le clavier qui a sauté au premier plan. On peut pas l'arrêter. Mmh.
Nobody can stop me. Ah oui, j'étais obligé de faire... ok. Petite cafétéria, c'est sympa ça. Y a rien pour moi. Y a rien dans le décor de subtilement caché. Oh, je suis déception. Même dans l'angle là, c'est mort, mort, oui c'est mort. Oh, bah, vous avez oublié une texture les gars. Ou alors vous voulez vraiment que ce soit noir et vous avez mis du noir. Bref. Pourquoi pas. Ah, ah les crâneurs. Effectivement, il est celui-là. Ouh, t'as eu chaud. Bravo, t'as gagné. Non, je m'avouais vaincu parce que... Voilà, j'ai encore merdé un tir beau portant, c'est la honte, quoi. Je pense que j'ai rien loupé. On est bien d'accord, hein, la pièce précédente, j'ai rien loupé non plus. Oh mon dieu. Non, il n'y avait rien. Les armoires, on les ouvre pas, on est d'accord. Hein. Ouais, non. Merde, je traîne du mobilier. Et c'est sur le toit que ça m'étonnerait pas. Non, pas ça, ça. Ah, bureau de sécurité. M'intéresse. Ça m'intéresse. Ça représente quoi? Ça représente rien. Ah, c'est un écran pété, con. J'étais en train d'essayer de me dire, mais c'est une carte... géographique, satellite, machin, et je viens de comprendre que c'est la puce électronique de la... enfin, le circuit imprimé de l'écran. C'est où que c'est le moins haut? Ah bah là. Non, il n'y a rien de... Ah oh. Alors, déviation. Attends, parce que là, j'ai peur de louper mon objectif secondaire, qui est le gros pâteau, là, d'ingénieur. Alors, déviation, Alex Wade, situation. Paxton Fettel est entré dans le bâtiment de la direction. Sa cible est probablement Harlan Wade ou sa fille Alice. Le site semble être très bien protégé par les forces Replica. Mission, l'agent du FIR doit localiser Harlan et Alice Wade et les évacuer pour débriefing. Pour la plus grande prudence, enfin la plus grande prudence et de rigueur lors de l'entrée dans le bâtiment. Ok, va y avoir un... C'est nous qui faisons, entre guillemets, le siège. Faire un siège avec un mec, c'est dur. C'est très très dur. Oh yeah. Allez, on aère un peu tout ça. Ouais, ouais, ouais. En été, ça doit pas être dégueu de prendre sa pause là. Encore que s'il y a beaucoup de béton, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, je présume que c'est entre grosses guillemets la porte d'entrée officielle. Voilà.
À défaut d'une journée porte ouverte, on a le droit à une journée vitre brisée. C'est idiot, mais c'est ça. Ce Harlan Wayne est lié au projet depuis le début. C'est lui qui a tout organisé. Où est-ce que je dois me rendre? Quoi? Il se passe rien, c'est un hall d'accueil visiblement. C'est le calme avant la tempête. Ma petite horloge mulade, lila lilou liou. Ma petite horloge mulade, c'est quoi ça? Ah, c'est une caméra de surveillance. Ah! Le fantôme veut me parler. C'est original. Oui, non, ça recouvre un truc. Bizarre. Une canette de soda piégée, attention. Non. C'est quoi ce bip? Bon, Yul. Ah, un comique. Vous êtes des farceurs. Bon, je présume que je suis le bienvenu. Je suis, comment dire, un crétin. Je voulais me soigner, pas lancer une grenade dans la cage d'ascenseur. Merde. Me suis planté de touche. Bon, Yul. Harlan Wayne est lié au projet depuis le début. C'est lui qui a tout organisé. Dis-moi que je peux y aller. Ah non, non, c'est une vitre blindée. Oh, merdoum. Merdoum. Oui, du coup... Ah! Finalement, j'ai bien fait de refaire ce passage. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Oh, je vais avoir droit à un comité d'accueil, on est d'accord. Coucou. Ah, elle a quelque chose à me dire, la pauvre puce. Oh. Oh, sympa. J'aime bien ce genre de baie vitrée. Oh, un souvenir de vie. La dernière fois que je suis allé en vacances, c'était du côté de Sijan. Et où ils ont une superbe réserve africaine. D'ailleurs, les pauvres, ils sont fermés actuellement parce qu'avec la grippe aviaire, ils ont dû se mettre en quarantaine. Tout ça pour parler de baies. Ah oui, c'est un ordi. Attendez, on écoute et je vous le dis après. Écoutez ça. Marshall Dissler, Bill Moody et Aldous Bishop.
travailler tous ensemble dans la même équipe. Les autres membres sont Ian Hives, Alice Wade, Norton Mates et Charles Abegger. C'est Harlan Wade qui tire les ficelles. Ça veut sûrement dire que Fettel est en train de grimper dans la chaîne alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? La bonne blague. Qu'est-ce qu'il y a, Nashman ? Je pense qu'à Christella, vous avez un problème avec les grenades. Mais ce problème ne soigne pas. Non, puis j'ai déjà eu le problème, tu sais, du coup qui part tout seul dans Blue Shift Half-Life. Ça a été clippé, hein, c'est immortalisé, c'est trop drôle. Mais ouais, je reconnais qu'on a des problèmes récurrents lorsqu'on mène des assauts, Christella et moi. Ce serait marrant qu'on soit en tandem, tu sais, Christella. Je crois que ça pourrait donner des trucs très drôles. Le gros boxon. Ce serait trop bien. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc je disais, la baie. Il y a une aire d'autoroute quand je rentrais chez moi, donc en Lorraine. Près de Mâcon. Près de Mâcon, sur l'autoroute, il y a une superbe... Il y a une baie corridor qui... Si vous voulez, l'aire de repos, elle est sur les deux côtés de l'autoroute. Et vous pouvez, vous, piéton, faire la jonction en surplombant l'autoroute. Et le corridor, c'est des baies qui donnent vue sur l'autoroute. Ça fait super moderne. Et je l'ai vu de nuit, j'y passais à 1h du mat. J'ai adoré, ça faisait vachement futuriste. Je suis vachement content qu'on ait ça en France. C'est con, hein, mais... Je trouve ça génial. Peut-être que je retrouverai des photos. Je sais plus si j'ai fait des photos de cet endroit. C'est possible, tiens. Si j'y pense tout à l'heure, ce soir, quand FunFan joue de son côté, là, qu'on le regardera faire du... Ah, le répondeur. Je chercherai la photo et je vous la remontrerai demain. Vous avez un nouveau message. Premier message de... Harlan Wade. Salut, c'est Harlan Wade. J'ai essayé de joindre Geneviève toute la semaine. Mais cette salope ne répond jamais au téléphone. Écoute, si tu la vois, dis-lui que nous sommes encore plus dans la merde que je ne le pensais. Son idée géniale de rouvrir la chambre a déclenché quelque chose que je ne peux pas expliquer et que je ne sais pas comment arrêter. J'espère vraiment qu'elle est contente. Fin des messages. Alice Wade. Le bureau a été saccagé. Sortir de là. Tu es en danger. Va dans mon bureau et trouve mon portable. Cherche un fichier texte nommé Proteus. Fais vite. Message suivant de... Aldous Bishop. Eh, c'est Aldous. J'ai jeté un coup d'œil à ces infos et je pense vraiment que tu as déniché quelque chose. Je vais essayer de voir si je peux retrouver d'autres personnes qui ont vécu ou travaillé dans le secteur à l'époque. Même deux ou trois interviews pourraient nous être utiles. Je reviens vers toi plus tard. Fin des messages. Donc, récurrent comme le bas les chiottes. Nayonette dit, sur Nantes, comme tu décris, c'est impressionnant comme les bagnoles passent super vite. Ouais, vu d'ensemble, ouais. Oui, il y a quelque chose d'hypnotique aussi. Mais, enfin, moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'ambiance. Oh, oh. Quoi, il est encore dans les faux plafonds? Déconne pas. Effectivement, il est encore dans les faux plafonds. Ah Ouais. Bon, j'ai gagné un cadavre, mais... On va dire quel intérêt. Potential. Oh, la puce. Non, je peux pas passer. Le mobilier m'empêche de... Non ? Est-ce que j'arrête là ?
Ce vandalisme. Ah. J'adore l'atmosphère. Ouais, allez, je ferai la suite. Bah, sûrement samedi prochain. Je pense que je me ferai une ou deux heures de ça. Je vais vous soumettre un petit vote. Alors, attendez, sauvegarde. Je vais vous soumettre un petit vote. Je vais vous laisser le choix entre Sonic, là où j'en étais dans le 1, ou un Street of Rage 3. Puis je fais vœu que... Attendez, je vais vous faire le vote, hein, vous en faites pas. J'espère que Edge, je pense qu'il va revenir après son goûter vers aux environs de 17h pour le golf. Qu'on fasse une petite heure de mini-golf, moi je serais heureux. Au moins une petite heure. Je serais tout content. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié. Alors attendez, alors première chose. Vous avez gagné de voir ma tronche en gros plan, comme le veut la tradition quand on change de jeu. Je vais mettre la lumière parce que vous me voyez plus. Et je vais regarder à quelle heure FunFan disait qu'il allait prendre son antenne ce soir. Je sais plus si c'est 20 ou 21h. Alors, le vote d'abord. Le vote d'abord, je le programme de cette manière. Il disait qu'il allait prendre son antenne ce soir. Ah, mon Dieu, je m'entends en double. Tais-toi, le sage. Bouh. Il est où, mon chat? Pourquoi je vois pas mon chat? Minute papillon, je vous prie, pirouette, cacahuète, di da da di da di, dou di dou di dou di dou da, da di da di da di da da. Alors, que faire? Le petit Sonic One, le petit Street of Rage 3. Dans l'heure qui suit. Vous avez 3 minutes. Parce que le temps que je fasse toutes mes actions, vous avez 3 minutes pour vous manifester. C'est allumer la lumière. Blablabla. Blablabla. D'ailleurs, je devrais dire, vous avez mérité le droit d'entendre de la musique. Je vais vous mettre je sais pas quoi. Je vais vous mettre ça. Hop. Oh, tiens, pourquoi c'est décalé, ça? Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Voilà, que je vois mon interface déjà de diffusion. Bougez pas. Bougez pas. Oh, puis moi je veux dégourdir les jambes. Aïe, aïe, aïe. Monsieur, monsieur. Voilà, on est comme dans le jeu. On a été les lumières, faut tirer sur tout ce qu'on bouge. Ouch. Pam, param, pam, 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 pam. Je suis même en train de prendre conscience que j'ai pris mon antenne trop vite tout à l'heure. Je voulais lancer le formatage d'un disque dur. J'ai oublié de lancer la commande. Va me prendre 2 minutes, mais au moins j'aimerais bien, le temps que la soirée soit mat. Je vais exceptionnellement, je pense, laisser mon ordi allumé toute la nuit. Attends. Alors, comment vous me voyez? Moi, j'aimerais que ça me rentre pas trop dans le pif. Ouais, j'ai trop de trucs. Ah, mais non, j'ai perdu mes oreillettes. Bah, mon retour son. J'ai fait tomber mes oreillettes. Oh, bah non. Ah oui, elles sont au sol.
Alors je l'ai reçu sur la couverture histoire de pas me zigouiller le. Enfin pas me zigouiller. C'est le fait d'avoir le truc pas très hygiénique. Attendez. Je suis un petit lutin. Je vois mon retour, je suis un idiot du coup. Elle est bien la zic. Et là, je me rends compte que vous en avez rien à péter, personne n'a voté. Chiche. Ah si, il y a eu des votes. Ah ouais. D'accord, vous êtes à fond dans Sonic. Ok. Ok, ok, donc on va faire du Sonic. Alors attends, je regarde déjà. Notre fun fanounet, il avait dit qu'il prendrait son antenne à. Attends, son planning, il est là. Samedi 20h ou 21h. Bon, il laisse la souplesse, ouais. Bon, c'est sympa. Ok, on va se faire du Sonic. Alors, pardon pour le petit moment de flottement.